Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rat Super en police et en patrouille, on sera donc en sécurité publique. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'hésitez pas aussi à aller sur mon lien donc Twitch qui est dans la description ou de temps en temps je suis en stream. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée suivant quand vous regardez la vidéo et bonne vidéo à tous. Qu'on faisait trois effectifs à bord du 963. C'est suivi, je vais se rendre au niveau du CSP pour mettre un badge, un pompier s'il vous plaît. Il va en mode rapide ou tranquille? Merci. Code 2. La code 2. Bonsoir, prise de service du Major Arthur Smith en attente d'affectation. Bravo Major, vous êtes affecté en Oscar. C'est suivi. Monsieur était plus fasciné par ses boîtes à outils que par sa garde à vue. Oscar de d'Alpha. Ça prend bien vite. Vous pouvez affecter le Major Smith en Alpha s'il vous plaît, je vais pas tarder à prendre une fin de service. Ah bien sûr, monsieur, c'est suivi pour Major Smith. C'est suivi. Major, sur le cours, tout le monde sait. Il n'est pas encore dessus. Major, sur cours. Je l'ai pas encore. Il répond même pas à son téléphone. Oui. Je vais se prendre un véhicule et rejoindre au CSP. Yep, ok. Tout de suite. Bonjour. Ah bonjour. Comment ça va? C'est qui? Bon, bonsoir, c'est oui. Me présenter une pièce d'identité s'il vous plaît. Frédérico Nalves, c'est ça? Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer au niveau de la radio. Connor? Oui. Normalement, je suis censé me faire enlever mon avertissement. Moins fort! C'est déjà bon.
laisse vous rendormir et vous réveiller dans votre caserne. Ok, c'est monsieur. Histoire de voir que tout s'est bien passé. Bah, à la rigueur, on va aller près des casiers parce que c'est là que l'avion va le parachuter. Ouais, on va aller, je vous suis. Ça marche. Hop. Monsieur ? Voilà. Normalement, il va atterrir là. Il doit se réveiller ici. Ouais. Commandant ? Oui. Le sapeur, il demandait quelque chose, apparemment. Oui. Oui, je voulais savoir si je pourrais vous parler sur la radio sécurisée après, à propos des pastilles. Ça va être chaud, je suis assez pressé aujourd'hui. Ok. Pour la petite pastille jaune d'il y a 6 mois. Ok, c'est bon. Il est réveillé. Allez, monsieur. Parfait, merci. Du coup, je pourrais, vous savez quand vous serez disponible ? C'est peut-être demain, mais pas aujourd'hui en tout cas. Ok. On attend, il y a Smith qui arrive. Après, faut qu'on aille à la station d'essence. Ça se vit très vite. Voilà. Une petite CL. Ah, ouais, magnifique. Bonsoir, SP mon commandant. Aucun disponible. Pas étonné. SP major. On est parti. De part, vous restez toujours sur la radio. On pouvait annoncer la prise de service, de part. Oui, excusez-moi. Commune service de la patrouille Oscar Alpha, composé de 4 effectifs à bord du 963. C'est reçu. Il n'a pas de lumière sous sa moto, lui ? Bonjour ? Vous le contrôlez ? On s'allume au phare. Pas comment il fait pour voir. Oui, c'est ça. C'est compliqué. J'ai fait le contrôle. Oui, vous vous occupez du contrôle, ADS. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez le véhicule s'il vous plaît. Oui. Ah, vous savez pourquoi on vous contrôle? Absolument pas. Non, regardez le ciel. C'est lui. Voilà, il fait nuit. Et généralement, quand il fait nuit, on voit rien. On sait qu'il y a des phares sur le véhicule. Oui, mais effectivement, mais apparemment, sur ce véhicule-là, compliqué. Comment est-ce que vous ne le prenez pas dans la nuit, monsieur? J'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai un petit moment que je roule et j'ai pas eu le temps de le ranger. Vous sortez du nom, monsieur, vous n'avez pas le temps de le ranger au garage. Pas de foutre des noms de gueule, monsieur. Non, mais monsieur, je voulais juste aller à Paul Church. Même à Paul Church, monsieur, avec votre moto en pleine nuit, imaginez, vous roulez sur une route, vous êtes non visible, vous faites faucher facilement. Je comprends bien, monsieur. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, monsieur, vous m'enlevez votre casque, vous êtes sur un contrôle de police. Monsieur, pour rendre à Paul Church, vous faites quand même un sacré détour. Hein. Avec plaisir. Ah, qui est là? Dites si je vous le dérange. Excusez-moi. Radio maintenant, vous l'avez laissé tomber. J'ai pas de... Dépiedant tes permis de conduire, quand tu veux, véhicule, s'il vous plaît. Je vous parlais à vous. Ah. Puis je... donc, vous allez être amendé du coup pour... on va faire allumer, vous allez faire un demi-tour et ranger votre véhicule en sortir un autre avec des phares. D'accord. De toute façon, on va aussi, monsieur, jusqu'au garage de Union. D'accord.
Du coup, monsieur, ça vous fait une contravention de 15 000 euros. Ça, je vous ai une obligation de la payer si vous avez les fonds nécessaires. Si vous la refusez que par la suite on s'aperçoit que vous aviez les fonds nécessaires, une demande d'exil sera faite à votre égard, pardon, c'est compris? Oui. Je vous laisserai signer en bas à gauche, s'il vous plaît. Bien, maintenant, on va vous suivre jusqu'au garage du Lyon et puis vous allez ranger la moto. D'accord? D'accord. Remettez votre casque avant de partir. Vous restez derrière lui avec le Giro. Respectant la vitesse, ce serait une bonne idée aussi. Ah, même pas le voir, ça c'est pas. Voit pas. Eh oui. Pleine nuit comme ça. Alors un coup il accélère, un coup il freine. C'est pour l'hébergement, pas bref. Au niveau d'un des pôles emploi, donc situé dans différentes villes, et vous trouverez une licence. Il n'y a pas que 3 monsieur, il en a 26, un truc comme ça. Ah, autant pour moi. Peut-être pourriez-vous m'indiquer la position. Je m'en sais pas. Ah non, c'est aucune idée, désolé. C'est à vous de voir avec les pôles emploi, monsieur. Vous demandez avec les pôles de taxi ou juste pas. D'accord, très bien, merci monsieur. Pas de problème. De mettre de l'essence, parce que sinon, une station de gauche. Ouais. Enfin, avec le lieutenant, on était tombé en panne à 10 mètres de la station. Là, on y est presque. Donc, on a quand même réussi avec la vitesse qui nous restait à au moins aller un petit peu proche de la pompe. Vraiment, jouer à 2 km/h près. Génial, c'est Amic Lemouy. Ah. Allumez vos feux, le camion. Il est fou ou... Il va nous sortir l'excuse de... Oh, on m'a dit de pas les activer à l'union. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors... Vous avez pourquoi on vous contrôle? Comment? Et pourquoi on vous contrôle? Non, pas du tout. Regardez le ciel, il est de quelle couleur? Le comment? Le ciel. Merci Major, il vous a répondu, il est gris. Donc il fait nuit. Oui. Vos phares?
Ah mais on m'a toujours dit qu'en ville on fallait pas les mettre parce que ça faisait des problèmes Vous avec les préférez lumières. vous faire percuter par un véhicule que mettre vos phares? Parce que ça cause des problèmes de lumière. Ah bah non, Parce que je vous assure qu'un mais... véhicule dans le noir, on ne voit pas du tout. Sur un camion ou Ah. une auto, on ne voit pas. Ah bah désolé, mais il me semblait Après, que... si on te permet de conduire, carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Je sais pas si je l'avais reçu. La carte grise, elle est dans mon... Oui, mais là je vais laisser. C'est vraiment face, enfin, qu'on soit en ville ou pas, vos phares doivent être allumés. Normalement, c'est fait. Absolument. Vos phares doivent être allumés dans tous les cas, monsieur. D'accord. Au revoir. Belle de me donner avant. Bonne soirée. Je l'avais dit même, ça c'est le truc de ta vie, mais je pouvais pas les allumer. Je t'envoie du parier. J'aurais gagné quand même. Généralement, on a un quand ils sont autre pas client. trop en ville, ils me sortent ça. On m'a suggéré de pas les allumer. On a un autre client là-bas, la moto, je crois. Si, il les allume, il y a les feux derrière. Ah oui, c'est le piètre rouge. Par contre, je crois que c'est pas con, non. C'est sur le trottoir. Un trottoir, ouais. Il est cassé de lampadaire ceux aussi. Ceux qui allument pas leur feu quand ils roulent et ceux qui les laissent allumer. Oh là là. Ouais. Pourquoi il y a un brancard là? Ok. Ok. Attends. Ah ouais. Oui. Non. Je vais m'enfourrir s'il te plaît. Encore une ambulance qui est explosée. Regarde le nom. J'aurais reçu 1 € de cette mise en forme. Mais le nom lourd. Il faut prier, tu l'as pas eu. Non, j'ai pas pris. T'as pas de plaque sur ce truc. Hein. Ah, mais c'est le nom que c'est gravé dedans. Par contre, lui là-bas, il a pas ses feux. On va faire que ça va aller un peu vite. On va faire que ça, ouais. Est-ce qu'il a pas ses feux? C'est à gauche, hein. Ouais, il y a des allumés, tiens. Ouais. Suivez-le un peu, tiens. Donc, la dire, les... si. Ah, la dire. On dit ce qui roule avec ça, quoi, les gars. Ouais. Il est louche. Qu'est-ce qu'il fait, des gens off-road? Légèrement. Avec ta faire un balisage en forêt, c'est pour les animaux. C'est ça. Il balise un petit chemin pour les écureuils. Faut pas qu'ils se fassent écraser. Il y a des maisons ici. Ouais, il y a quelques maisons qui ont été rajoutées un peu plus loin à droite. À la place de l'ancien commissariat. Ah bah il y en a plus de disponibles. Ressent. Moi j'en ai une, mais... J'en ai pas. Non plus. J'ai pas le droit de propriété. Sans pas mes fixes. Moi on me l'a donné. Ouais, et toi, voilà. Les aides financières. Bah ouais. Il a bénéficié de l'APL. Allez vers Sunnington, on va quitter un peu Union. Là. Bonjour Léo. Bonjour Théo. Qu'est-ce qu'il va faire, la dire là-bas au fond? Bonne question. On va voir. Ouais, faut voir demi-tour, on va un peu faire un tour là-bas vers la casse auto.
est pressé, Momo? J'en sais rien. On se rend à la casse automobile. Il va le voir sur la nature. Il va pas vraiment se faire beaucoup d'argent. Ouais. Il a fait demi-tour. Il revient. Patrouille. En pleine forêt. C'est aussi pour les animaux. C'est ça. Et pour la branche animale. Il cherche des accidents d'animaux. Pour la sécurité routière, c'est la branche animale. Ils ont placé un flash vitesse pour Oscar sur la station service de Vanderrue. Oh, il n'est pas la Momo. Ah, il fait un peu chaud. DS, je vous laisse annoncer Oscar pour Momo. Là, vous allez après à gauche sur la petite route. Oscar Alpha. Smile. Momo n'est pas présent au niveau de la caisse automobile de Volcherche. Ah bien ça, monsieur. Dis bien aussi qu'il y avait un petit problème au nom de la ville. On va aller faire un tour dans la nouvelle ville. T'as une maison ici? Elle était toujours celle-là. Ah mais fais attention. Aller voir Java, la City, je sais pas où. On déposera Java. Java, on a peine une demi-heure, toutes les maisons étaient déjà achetées. Ouais. Jean Smilgan. Oui. Oui. Il y a le Dodge Ram là, violet, qui nous a coupé la route au milieu. Là. Je sais pas, ils ont tenté de se doubler, les deux Dodge Ram. En plein milieu de la deux fois de voie en restant sur la voie de gauche. J'ai pas trop bien compris ce qu'ils ont essayé de faire. Faites attention. Ok. Ils sont derrière. Ouais, ouais ils sont derrière. Ok, merci l'info. Merci. Merci. Au revoir, bonne soirée. Ma vie doit chercher mon nom aussi, ils sont derrière. Oh, allez, vers. Ouais, bien pressé celui de devant. C'est la sécu. C'est la sécu ? Ouais. 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 C'est mieux avec leur Cayenne. Est-ce tout dit au niveau du stand de tir ? Et on marche là. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu, hein, si elle vous a plu vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch, le lien figure donc dans la description, au-dessus il y a quelques vidéos, et bien sûr de temps en temps je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous avez regardé cette vidéo.